Voilà, j'ai sorti le matériel didactique, donc je suppose que vous devinez un peu de quoi je parle. On en parle d'ailleurs souvent, c'est l'ail éléphant. C'est pas l'ail des éléphants, parce que les éléphants ne mangent pas ça. Mais c'est l'ail éléphant. Bon, pourquoi on appelle ça comme ça? C'est parce que. Parce que c'est des gros bulles. Ben voilà, la tête, ouais, ça c'est pas des plus gros, non, non. Mais parfois c'est des têtes comme ça, c'est vraiment énorme. Et les cailleux aussi sont énormes. C'est ça qu'on appelle l'ail éléphant. Bon, ça s'appelle aussi. Enfin, ça s'appelle Allium ampeloprasum en latin. On l'appelle aussi l'ail odorant ou l'ail d'Orient. Donc, c'est une plante vivace. Elle dispose d'un bulbe et une pousse. Elle peut rester sur place toute l'année. Mais souvent, on utilise en manuel. Son pays d'origine, c'est la Chine, mais elle est aussi passée par la Pologne et on la retrouve couramment au Québec. Donc ben là-bas, il fait froid, donc c'est quelque chose qui résiste au froid. Et dans la région de Moucron, maintenant. Oh, oui, déjà pas mal de... une bonne dizaine d'années, c'est pas plus. Voilà, on peut voir les cailloux. Dans les jalonnés, t'en trouves pas, hein. Ben, ouais, c'est pas trop. Donc on voit que les un cailloux, voilà, ça c'est un cailloux. Voilà, c'est toujours pas mal, hein. C'est une tête d'ail normale. Ouais, c'est ça. Donc la tête, bon, elle peut faire 10 à 12 cm de diamètre. Et chaque tête comporte entre 2 à 4 ou 5 cailloux. Alors, parfois, quand le caillou du départ, lorsqu'on l'a planté, est un peu petit, parfois, on n'a qu'un seul bulbe, qui est un peu rond, un peu aplati, voilà. Parfois, on n'obtient que ça, au lieu que ça se divise. Et ça, c'est souvent parce que le caillou du départ était petit. Ce qui n'empêche pas de le replanter. Oui, et on peut même le laisser, il se divisera l'année suivante. Donc c'est vivace. Donc, c'est parce qu'il n'était pas gros assez pour se diviser. Alors, il y a des tout petits cailloux. Pour ceux qui ont déjà cultivé ça, voilà. C'est des tout petits cailloux comme ça, là. Donc en fait. Vous avez les cailloux principaux, le chevelu racinaire, et ces petits cailloux viennent se mettre ici, juste en dessous, là, comme ça. Ils sont calés là. Et souvent, lorsqu'on arrache la plante, ben, ces petits cailloux nous échappent, et ça tombe dans le fond du trou. Et parfois, ils sont à 10, 12 cm de profondeur. Ça met du temps à pousser, mais ça perce, hein, donc... Donc ça mettra bien sûr 2 ans plus. Et ça se passe souvent en semi-spontané. Et ces petits cailloux ont une peau très épaisse. Donc j'ai déjà fait l'expérience, j'ai dit, tiens, je vais les ramasser, je vais les récolter, je vais les planter plus tard. Ben non, ils restent très... J'en ai perdu beaucoup comme ça. Donc, il vaut mieux fermer les yeux, les laisser tomber dans le fond. Et je crois que c'est l'humidité qui est dans le sol qui va faire que cette carapace sera plus molle et que le germe va sortir. Et en plus, bon, on dira, ouais, j'ai mis de l'ail là, l'année prochaine, je mettrai autre chose là, ça va gêner. Ben non, c'est une petite tige là, qui pousse. Dans les artichauts. Ça ne gêne pas, ben, sauf si c'est un chou. Bon, peut-être que le chou il va prendre le dessus. Et quand ce sont d'autres cultures, ben, ça ne gêne pas, parce que ça fait une tige et ben, ça ne prend pas beaucoup d'espace ni de lumière. Ça ne gêne pas, en fait. Donc laissez-les
Et si vraiment ils viennent plus beaux, vous les désirez changer de place, eh ben voilà, il suffit de les déplanter. Et alors vous avez un bulbe peut-être de départ comme ça, pour le replanter, et il se divisera quand il voudra. Alors, la saveur. Donc, le goût se situe entre l'ail et celui du poireau. Donc, il est nettement moins fort et moins piquant que l'ail ordinaire. Donc, l'ail ordinaire, c'est le violet, le blanc ou le rose qu'on porte au printemps. Donc, tous ces ails-là, ben, ils sont un peu plus forts. Donc, pour les gens qui aiment vraiment bien ce goût fort, ben, on risque peut-être d'être un peu déçu de celui-là. Mais alors, on peut le consommer cru, donc pour assaisonner les salades. Mais alors, lorsqu'il est cuit, donc par exemple, lorsqu'on le met au four avec, par exemple, une viande ou un truc comme ça, ben ça devient, il est un peu sucré, il vient doux. Et là, c'est vraiment bon. Alors, qu'est-ce qu'on consomme de tout ça, de cette plante ? Ben, le bulbe, bien sûr, ce que je viens de dire. C'est un peu l'usage de l'ail ordinaire. Mais alors, on peut aussi consommer le feuillage lorsqu'il est jeune. Donc ça, je vais vous expliquer juste après. On le plante à l'automne. Et alors, lorsqu'il commence à pousser, souvent, à la fin de l'hiver, ben, voilà, il est déjà d'une certaine hauteur. Mais parfois, lorsqu'on veut vraiment assaisonner un plat et qu'on n'a pas trop d'autres choses, ciboulettes, ben voilà, on pourrait couper ces feuillages-là, jeunes, ils sont tendres. Une fois qu'ils viennent plus âgés, plus vieux, ben ça devient un peu filandreux. Donc c'est moins apprécié. Mais moi, je coupe qu'une ou deux feuilles maximum par pied. Ouais. Pas tout coupé, quoi. Oui, c'est un peu comme les salades, hein, si on pousse tout, ouais, on devrait presque dire effeuiller, quoi, en fait. Hein, ouais. Ou couper la moitié de la longueur des feuilles. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore consommer ? Bon, et ça, c'est la recette des grands chefs cuisiniers. C'est les tiges, ouais, la hampe, pas à ce stade-là, mais quand il y a vraiment, donc la tige qui vient assez haute. Et alors, il y a le petit capitule qui va enfermer la fleur. Voilà. Ça, c'est vraiment, je veux dire, à la fin de l'hiver, au printemps. Ouais, c'est souvent à partir d'avril, ouais, dans ces eaux-là. Et alors, les grands chefs, ils ont trouvé une recette, c'est de couper ça. Et alors, on utilise le haut de la tige et ce capitule. Et on fait passer ça frit à l'huile ou au beurre, comme ça dans une poêle. Ouais, ça c'est. Et il demande 30 euros. Voilà. C'est bien cher. Bon, c'est un peu une recette. On peut faire ça avec des asperges vertes. Hein, c'est aussi un peu dans ce goût-là. Là, c'est un petit peu. Alors, ouais, c'est comme Ignace dit, ben, la note, elle monte. Hein, c'est quelque chose d'un peu rare. Alors du coup, à cause de ça, eh ben, cette ail-là est très recherchée. Et c'est ça qu'on retrouve des prix pour un cailleux comme ça, là, comme je vous ai montré, entre 1 et 2 euros. Donc ça revient à peu près à 30 euros du kilo. Donc c'est déjà pas cher. C'est déjà pas bon marché. Alors c'est ça qui fait un peu... qu'on trouve rarement. Donc maintenant on le trouve... pratiquement pas. Pourquoi ? Parce qu'on va seulement commencer à les récolter. Donc, j'ai regardé un peu sur les sites pour avoir une idée du prix. Ben, souvent, il est marqué épuisé. Pourquoi ? C'est parce que, pour l'instant, c'est pas le moment où il y en a le plus. Alors ? Ça dépend des régions des cultures aussi. Tu vas dans la Drôme, tu vois que ça. Oui, mais je parle d'ail éléphant. Hein. Oui. Ah oui. Ça s'implante. Oui, oui. Bah oui. Bah, pourquoi ? C'est parce que ça rapporte. Voilà. Donc,
Donc l'ail des pauvres, c'est l'ail des ours, hein, c'est le qui mange à tous les pousses au printemps, ça c'est pour les pauvres. Oui, non, tout plein ici, c'est l'ail des ours. Des pauvres, ça, mais ça devient... qui se vendent quand même 5 euros pour un petit vin. Ouais. Mais là aussi, bon, c'est parfois des trucs sur on ça. Devient pauvre quand on l'achète, quoi. Alors là, si par exemple on veut vraiment... Ben, c'est vrai que s'il faut les acheter comme ça, en ligne ou un truc comme ça, ou qu'on ne trouve pas facilement et que c'est très cher, ben, achetez 2 ou 3 et vous les plantez, voilà. Alors, vous en mangez un cailleux pour goûter et vous les replantez. Après, vous allez augmenter votre stock et là, vous n'allez plus avoir de problème pour trouver des plants. Quoi. Alors, sa culture, c'est à peu près les mêmes exigences que l'ail ordinaire. Il résiste un peu mieux à l'humidité, mais il préfère quand même un sol drainé. Donc moi, souvent, je cultive sur butte. Donc quoi, un peu comme l'ail, comme les oignons, les échalotes. Donc je fais de larges buttes, de 30 cm, avec un dénivelé au sommet de 5 à 7 cm. Voilà, ça fait un peu bombé comme ça. Alors je viens implanter une double rangée, donc une rangée sur un flanc, et puis une autre rangée sur l'autre flanc, mais décalée. Donc en quinconce, et je mets un plant tous les 30 cm sur la ligne, et alors l'autre en décalé, donc plus ou moins 15 cm, voilà. Donc je trouve que ça va très bien. L'écartement des rangs, donc entre ces doubles rangées, bon, je laisse en général toujours 70-70 cm entre ces doubles rangées, et souvent... J'ai essayé les entrecultures, mais ça devient compliqué parce que la plante devient quand même assez feuillue. Et ensuite, il y a cette tige-là. Bon, ça fait quand même pas mal d'ombre. Pour les laitues, ça pourrait aller au début, mais après, allez, je trouve que ça devient compliqué à faire une entreculture. Le fraisier. Ouais, le fraisier aime bien la présence de l'ail, hein, donc mais il faut peut-être espacer un peu plus, alors au lieu de faire 30 cm, faire qu'une simple rangée, voilà, ça peut aller. Pardon ? Ils vont savoir cueillir les fraises. Mettre les fraises sur le côté. Ouais, ben ça, il faut un peu essayer. Entre deux lignes d'ail, j'y ai 1,50 m. Donc on peut espacer, tout à fait. Alors, le grand avantage de cette taille-là, c'est qu'il n'est vraiment pas affecté par la rouille. Non. Donc c'est une maladie à champignons. Donc, c'est une maladie à champignons qu'on trouve assez souvent, assez fréquemment, sur l'ail ordinaire et alors sur les poireaux aussi. Surtout quand les conditions en période humide, froid. Donc, mais là, bon, vraiment pour l'instant, cette plante-là, elle résiste bien. Donc, bon, peut-être qu'avec l'évolution, si de plus en plus de gens en mettent, peut-être que ça va changer la donne, mais pour l'instant, ça va. Alors, quand faut-il le planter ? Bon, je rappelle quand même que c'est une plante vivace, mais souvent... Bon, nous, on est assez cartésien, on aime bien. Voilà. On l'utilise souvent comme annuel. Donc, la période idéale de plantation, c'est à partir de mi-septembre à fin octobre. Un peu comme l'ail violet et blanc, là, hein, exactement le même. Et c'est aussi le moment où les terres ne sont pas encore mouillées par les pluies automnales. Avec le dérèglement climatique. Là, c'est nous. Je parle de nos souvenirs, peut-être d'enfance et de jeunes adultes. On avait encore des saisons plus ou moins régulières. Mais voilà, souvent les pluies commencent à l'automne, après septembre, octobre.
Et alors, ben voilà, c'est difficile à préparer un sol, faire les buts. Dans de la boue, ça ne va pas aller. Hein. Donc, alors, je conseille de s'y prendre à temps et de réserver l'endroit de plantation, de le réserver et de déjà préparer le sol. Comme ça, on peut très vite le planter à partir de fin septembre, octobre. Ben moi, cette année, au jardin d'Arbec, ben, j'ai pas su le planter à l'automne. Vraiment, il n'y avait plus. Le sol était toujours gorgé d'eau. Bon, j'ai trouvé un petit créneau à la fin de l'hiver. C'était, je crois, fin février ou tout début mars, que je suis arrivé à planter mes lignes d'ail éléphant. Bon, voilà, j'ai vu qu'ils ont pris un peu de retard, parce que d'habitude, bon, ça mûrit à peu près vers la mi-août, jusque septembre. Et ici, ben voilà, ça c'est un bon jardin, que la fleur, elle commence à dépérir. Non, elle dépérit. Donc elle commence à sécher. Parce que quand ça fleurit, c'est un beau bleu violacé, là, et ça attire beaucoup les butineurs aussi. Et ici, je vois que, en principe, on est quand même début août, ça devrait commencer à sécher un petit peu. Ben non, c'est encore bien violet. Donc, je suppose que cette aille-là, je vais l'avoir plutôt début septembre. Bon, je vais voir maintenant. Hein, petite coccinelle verte. Elle était cachée, non? Et alors. Ouais, donc ça fait des tiges de 1m20 à 1m80, donc presque à hauteur d'homme. Même des fois plus grand. Ouais. Et voilà, ça se trouve là comme ça, donc à partir du sol, ça peut venir en chat comme ça. Et alors, bon, il faut le planter, donc le cailleux, là, il faut le planter à 5-7 cm. Ouais, moi, je mets à 10 cm. Parfois plus, en fonction du sol. Mais je ne sais pas si vous avez vu, ben, il y a quand même un bon enracinement. Hein. Ouais, alors si en plus vous avez ça de terre, ben, ça tient bien au vent, donc ça ne va pas verser. Ouais, la fleur est très mellifère. Donc, et alors, ben, j'ai vu aussi sur des sites internet, on répond à un truc là, qu'il faut couper les tiges. Parce que la fleur serait au détriment des bulbes. Moi, j'ai jamais constaté une différence. Non, pas du tout. Alors, bon, c'est peut-être pour faire plaisir aux cuisiniers, là, pour faire un peu de pognon. Là, pour, comme ça, bon, on a vendu les boules pour le cuisinier. Comme ça, on a pour les cailloux. Donc, on se donne bonne conscience. Mais malheureusement, pour les insectes, les butineurs, les abeilles, les bourdons, ben, ils n'ont plus quoi. Et vraiment, ça attire beaucoup les abeilles. Hein. Vraiment. Ah, et les bourdons, hein, ça, c'est incroyable. Ah non, ben, ils sont vraiment. Ah ouais. Ouais, et puis, il y a de quoi faire. Hein, chaque petite boule, là, c'est une fleur. Donc, ah ouais. Et ici, les fameux pompons. Donc de l'ail éléphant. Donc je vous avais dit que ça attirait beaucoup les insectes butineurs. Et voilà, je vous montre donc papillons, abeilles, bourdons aussi, et même d'autres insectes. Donc je sais pas trop ce que c'est là. Et voilà, ça leur plaît beaucoup. Donc, et ça, c'est l'idéal dans un jardin en permaculture, c'est d'avoir la nourriture pour les auxiliaires. Donc, s'il y a constamment de la nourriture au jardin, ils s'installent plus près. Et donc. S'ils s'installent plus près, ça veut dire aussi qu'au printemps, ils seront présents aussi pour polliniser nos arbres fruitiers.
Donc je parle là surtout des bourdons qui eux sortent même lorsqu'il fait frais. Une abeille, non, c'est pas le cas. Et alors ouais, donc le bulbe, il est parfois attrayant pour les mulots et les rats des champs. Parfois des poireaux aussi. Hein. Si vous êtes infesté par des mulots, ben parfois, eux, ils mangent aussi le bois du poireau. Là. Ça, c'est embêtant parce qu'ils ne nous laissent plus que le vert. Là. Et là, j'ai déjà vu, mais c'est pas souvent, mais parfois, ils commencent à entamer un gros caillou. Là. Donc, ouais, ils aiment bien ça aussi. Là. Alors, la récolte, en principe, c'est à partir de mi-août. Mais il y a deux signes qui indiquent que c'est à peu près mûr. Donc c'est, comme j'ai dit, la fleur qui commence à dessécher. Ouais, elle a bien fleuri, elle est bleu-violacée. Hein. Donc on voit que c'est fort attrayant pour les insectes. Et une fois que vous voyez que ça ne les intéresse plus, c'est que le bulbe est mûr aussi. Et souvent ça se passe vers la mi-août. Bon, peut-être que ce que j'ai planté au printemps, ça sera jusqu'en septembre. Un autre signe, c'est que la moitié du feuillage du bas se dessèche. Mmh. Donc c'est ça, c'est un signe qu'on peut enlever. Donc, il faut déjà aller avec un bon transplantoir ou presque avec une fourche-mèche pour bien extraire et laisser tomber même les petits cailloux. Ah, c'est de la permaculture organisée chez toi. Autrement, on peut laisser comme ça, on peut faire la nature. Mais moi, j'attends pas l'automne pour les replanter, je les replante tout de suite. Ben, c'est une vivace, hein, donc ouais. On peut le faire. Comme ça, le terrain il est impeccable, ils reprendront quand il faut, et ils font déjà un poireau avant l'hiver. Ouais, ouais. On dirait un poireau, et après l'hiver, ils sont déjà plus hauts. Et on peut planter ça maintenant, du coup? Comment? On peut planter ça maintenant, alors À partir de maintenant, non, à partir de maintenant. Ouais, c'est bon. Ouais. Faut pas les laisser sécher. Un légume récit. Non. Non. Non, c'est pas... Bah, mais on peut les conserver en cajou, hein, en cajou. Ouais. Un peu comme... Pour les conserver, je pense que c'est un peu compliqué. C'est mieux qu'ils sont dans... Ils restent presque dans terre. Ouais. En hiver, c'est parfois pas évident hein, ouais, chercher. Au début, ça se fait bien, mais après, ça devient vite sec et. Ouais. Il ne faut pas les mettre à l'intérieur parce que il vaut mieux mettre sous un abri ou un vent. Et quand ils gèlent, ben, peut-être pas les remuer, mais c'est vrai qu'après, ça germe. Si c'est pour cuire, on peut essayer de les congeler peut-être. Oui. Ouais. Si c'est pour cuire après. Moi j'ai encore utilisé des. Pas les tout petits bulbes, mais Les bulbes d'une truc, je les coupe tout en petits morceaux, et je les mets au congèle dans une usine en fait, une poignée, je les sécher, alors je coupe tout en petits morceaux. Et c'est pas pour ça que je les coupe. Voilà, Marc ici m'en parle, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en lactofermentation ça marche bien aussi. Donc ça. C'est un peu comme on mangerait des échalotes au vinaigre. Mais c'est en lacto-fermentation. Hein, donc, de l'eau et du sel. Oui, du sel, oui. Ouais. À 30%. Hein. Oui, oui. C'est bon, c'est un bon condiment aussi. Ouais. Ben voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je ne sais pas si d'autres questions. En rentrant chez vous, vous prenez une courgette, vous coupez en petits morceaux, en petits dés, avec un petit peu de lardon, fumé ou pas, avec une échalote coupée en plein petits morceaux, avec un cailleux d'ail des éléphants, et vous laissez fuire ça dans une casserole avec un couvercle dessus, c'est un délice. C'est tout simple, c'est un délice. Oui, puis il est vraiment plus doux que l'autre ail, mais bon, l'autre ail est bon. Et celui-là, ouais, il donne du volume, et c'est doux. Donc il ne faut pas avoir peur, si on a planté l'ail éléphant, il n'y aura pas plein de pachydermes qui vont venir piétiner notre potager.
J'espère que les restaurateurs n'ont pas entendu la recette, parce qu'après, ça va revenir cher. Hein. Alors non, mais vraiment, à l'affût de ça. Ouais. Ce qui est vraiment très bon, quand on fait un rhum steak, c'est ou un la tête complète, on laisse la peau extérieure, on coupe entre deux, et on met au four à côté du rôti. Ah oui, oui, oui. Mais on laisse la tête complète. Oui, avec la peau et tout, juste laver la tête. Et encore, ça dépend des gens. Si c'est des gens qu'on aime pas, on laisse la terre. Voilà, c'est possible. Émilie Cailleux, oui. Tu n'as jamais eu de germination? Si, si. Ben, en fait, je les avais prélevés, je les avais mis un peu de côté. Bon. Je ne les ai pas replantés immédiatement. Et alors, je les ai plantés peut-être deux mois après. Et bon, il y en a qui ont levé, mais d'autres pas. C'est un peu comme la roche. La roche. Et les graines d'arroche. La poudre. La roche, oui. C'est pas. Donc, des petites graines tétragones. Ah, tétragones. Ah. Ouais. Bah oui, mais ça, c'est. Il y a carapace et tout. Et ça, c'est pareil. J'ai même vu sur Internet qu'il y en a qui s'amusaient à éplucher ces petits cailloux pour les replanter. Oui, mais pour les replanter avant de les replanter. Mais bon. Pourquoi intervenir alors que la nature fait ça si bien? Vous ne faites rien, vous enlevez ce qui vous intéresse et vous laissez les autres au fond du trou et ça pousse tout seul. En principe, les graines ne sont pas fertiles. Ah oui, non, il y a des gens qui disent oui, il y en a qui poussent, mais moi je pense que c'est justement ces petites bubilles qu'ils n'ont pas vues qui sont tombées. Bah, Marie, tu avais essayé. Tu en as fait avec des graines? Ah ouais. Mais il faut énormément de graines pour avoir 2 ou 3 pouces. Ouais. Parce que j'ai coupé les ronfles sèches et je les ai jetées en dessous des framboisiers. Là, ils sont à 2 mètres de là où étaient les. Ouais, donc ce n'est pas les bubilles. C'est pas non. Et à plusieurs endroits, ça a germé. Alors bon, les limaces, quand elles étaient toutes petites, elles aimaient bien aussi. Mais c'était effectivement ça, quoi. Mais j'avais semé j'avais jeté simplement toutes les têtes. Donc la germination est quand même très minime. Elle est possible. T'as mis 1000 graines et t'as eu 3 plantes, quoi. Mettre la hampe florale dans la terre. Comment? Mettre la hampe florale directement dans la terre et attendre. Mais je crois que jeter sur le sol, il y en a qui vont germer. Il y en a qui ont germé, c'est sûr. Et je pense que sous nos climats, il y a beaucoup moins de. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça pourrait très bien. Allez, on peut laisser aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas comme le poireau où on sent vraiment qu'il y a une petite graine noire qui vient. Avec le poireau, on peut le faire aussi. Mais ici, on dirait que ça reste un peu mou. C'est pas. On dirait que la graine ne vient pas à terme. Donc voilà. N'oubliez pas de ne pas tout manger, hein. Garder en replanter pour l'année d'après. Hein. Donc ça va devenir très précieux. Vous avez des grands chefs autour de votre maison, faites gaffe. C'est ça qu'il y a de plus en plus de restaurants à Moucron.